Oui. Okay. Alors, bonsoir tout le monde. Écoutez, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil, version mardi 15 juin. Édition tout à fait spéciale, puisque nous sommes tous ici en présence. Donc, bien content de vous voir, mesdames, messieurs du Conseil de ville. Madame la greffière, évidemment, même si je ne vous vois que partiellement, je suis content de vous voir. Et puis, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, merci d'avoir pris le temps. Vous avez content que vous ayez retrouvé le chemin de l'hôtel de ville. D'ores et déjà, avant, si on remonte entre il y a deux semaines et aujourd'hui, plusieurs éléments que je veux quand même porter à votre attention. Tout d'abord, je veux vous remercier, citoyennes, citoyens, d'avoir signifié votre intérêt pour notre nouvelle hockey et notre nouvelle hockey d'équipe, notre nouvelle équipe de hockey, les Lions de la Ligue CHL. Vous avez été plusieurs à acheter les billets, à démontrer de l'intérêt sur les médias sociaux et même aussi à manifester de toutes sortes de façons. Puis, bien, merci. C'est comme ça, de cette façon-là, qu'en mobilisation, on va avoir un succès avec notre équipe qui, je le sens, est déjà sur la bonne voie. Il y a aussi la zone verte qu'on apprenait qui sera mise en branle dès lundi prochain. Encore une fois, ça nous donne l'espoir. Puis je vous rappelle que la vaccination collective est la solution pour ne pas faire de pas en arrière, donc pour avancer. Je vous encourage, moi je vais le faire dès que je peux, aller chercher le deuxième vaccin. Et finalement, sur une note encore beaucoup plus sérieuse, bien, je veux remercier les gens qui ont fait preuve de solidarité, qui ont fait preuve d'empathie lors de l'orage de la semaine dernière. Plusieurs l'ont fait lors d'événements qui ont été bien médiatisés. Là, je vois M. Charrette, entre autres, avec le camp scout. D'ailleurs, je veux remercier les gens du conseil qui s'y sont présentés. Mais il y a eu des gestes encore plus discrets. Il y a des gens qui ont aidé leurs voisins, qui ont aidé leurs amis, qui ont aidé leur famille. Bref, il y a aussi, et c'est là-dessus que je vais conclure l'intro, il y a notre équipe ville, encore une fois, qui s'est surpassée, qui a fait preuve d'engagement, puis je veux signifier aux gens de Trois-Rivières que les travaux ne sont pas terminés, il va en avoir jusqu'à cet automne, assurément, mais les gens sont à pied d'œuvre, ça travaille fort, puis déjà d'assurer la sécurité des trifluviennes et des trifluviens, c'était au cœur des préoccupations de notre équipe ville, donc un grand salut à tous ces gens-là. Là-dessus, Maître Tremblay, je vous cède la parole. Merci, M. le maire. Alors, on n'aura pas besoin de prendre les présences, contrairement à quand on est en team. Alors, tout simplement mentionner que les quatre fonctionnaires qui font partie de l'Assemblée sont Mme 5 Mars, M. Justin Lachance, M. Robert Dussault et Maître Annie Pagé sont présentement sur le team en même temps qui participent également à cette rencontre. Alors, juste pour faire une introduction pour les gens qui ne sont pas habitués à nos séances, notamment sur le web. Alors, notre ordre du jour comporte de la réglementation et des résolutions. Donc, les premières sections, ce sont les règlements. Donc, les avis de motion, c'est tout simplement pour annoncer qu'il y aura présentation d'un règlement lors d'une séance ultérieure. Par la suite, dans d'autres sections, on est rendu à l'étape souvent de l'adoption du projet, second projet, règlement. Donc, pour la réglementation, qui sont des normes d'ordre général et impersonnel, avant d'être mises en vigueur, il faut faire une procédure qui est édictée par la loi habilitante. Plus tard, dans notre ordre du jour, on est au niveau des résolutions. Alors, notre ordre du jour est divisé par direction de la ville. Alors, ce sont des décisions habituellement qui sont exécutoires dès ce soir, à portée durée limitée, à moins d'exception. Donc, on débute, Monsieur le maire et Monsieur et Madame les membres du conseil. Alors, au point 1, on est dans la section des avis de motion, mais au point 1, c'est en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, c'est une modification au schéma d'aménagement. Alors, le schéma d'aménagement est modifié afin d'autoriser les habitations saisonnières pour travailleurs agricoles. Donc, c'est pour permettre l'aménagement ou la construction d'habitations qui vont permettre de loger exclusivement les travailleurs agricoles et qui ne pourront pas être loués ou utilisés à d'autres fins. Alors, c'est M. Michel Cormier qui me donne l'avis de motion pour le point 1. Au point 2, alors… Oui, c'est Daniel Cournoyer, mais… Ah, OK, excusez. Monsieur Daniel Cournoyer, c'est d'ailleurs ce que j'avais…
C'est le mauvais sens. Le mauvais sens. Alors, je m'excuse encore. Alors, c'était bien M. Cournoyer. Alors, au point 2, alors c'est M. Danny Carpentier qui me donne l'avis de motion pour un règlement concernant les services rendus par la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile. Alors, c'est une mise à jour des tarifs, notamment pour y intégrer les nouveaux tarifs pour le centre de formation des pompiers qui est construit, qui a été construit tout dernièrement. Au point 3, alors, toujours M. Denis Carpentier qui me donne l'avis de motion pour un règlement sur les tarifs, mon Dieu, sur les concernant les services. Excusez, je suis obligée de retourner en arrière. Je pense que c'est parce que je ne suis plus habituée d'être en présentiel. Je m'excuse. Il faut que je revienne en arrière. Alors, le point 2, M. Carpentier me donnait l'avis de motion, mais cette fois pour le règlement qui constitue la Direction de la sécurité incendie et la sécurité civile. Alors, ce règlement, en fait, c'est que notre Direction incendie et sécurité civile a été séparée de la Direction de la police depuis déjà quelques années. Alors, en vertu du schéma de risque, il y avait une orientation où la Direction de la sécurité incendie et sécurité civile devait être constituée par règlement, notamment pour donner les pouvoirs d'intervention nécessaires au directeur. Donc, au point 2, M. Carpentier qui m'a donné une motion. Au point 3, bien, je viens d'en parler tout à l'heure, alors c'est vraiment les tarifs exigés pour les différents services rendus par la Direction Sécurité Incendie, Sécurité Civile. Toujours M. Carpentier qui me donne l'avis de motion. Au point 4, M. Denis Roy, en fait, les points 4 et 5 vont un petit peu, pas un petit peu, mais vont ensemble. C'est la conversion notamment de la vélorue sur la partie de la rue Saint-François-Xavier entre Saint-Pierre et rue Art, qui va devenir une rue partagée. Alors, quand c'est une rue partagée, il faut diminuer la vitesse à 20 km/h. Alors, de là, le point 5 pour la modification au règlement sur la vitesse des artères locales. Et au point 4, bien, il s'agit de modifier notre règlement sur la circulation et le stationnement pour permettre cette conversion. Et également, on vient limiter le temps de stationnement sur la rue Sainte-Louise et affecter des places de stationnement pour les visiteurs au bureau touristique au parc portuaire. Donc, au point 4 et 5, alors on peut les mettre en même temps, c'est M. Denis Roy qui me donne les deux avis de motion. Au point 6, alors, c'est le règlement qui modifie le règlement accordant aux résidents de certaines voies publiques un droit particulier de stationner leur véhicule de promenade. Alors, ici, c'est pour ajouter un côté de la rue Sainte-Louise. Alors, au point 6, c'est M. Pierre Montreuil qui donne l'avis de motion. Au point 7, un règlement pour permettre à notre jeune clientèle des camps de jour et des services de garde de pouvoir se rafraîchir, donc permettre l'utilisation des jeux d'eau. Alors, il faut modifier notre règlement sur l'utilisation de l'eau, 2019, chapitre 61. M. Denis Roy me donne l'avis de motion au point 7. Au point 8, alors là, les prochains avis de motion, alors 8 à 17, il s'agit des règlements d'emprunt. Ces règlements d'emprunt, c'est pour permettre notamment de décréter différents travaux. Tous ces règlements d'emprunt visent l'ensemble des citoyens, donc ils vont être payer, rembourser à même les revenus généraux de la ville. Alors, au point 8, il s'agit d'un règlement d'emprunt qui autorise le remplacement d'une conduite d'égout combinée, la mise en place d'une conduite d'égout pluviale et la réalisation des travaux de voirie. Alors, en fait, c'est sur le terrain où il y aura la construction de la maison des aînés en remplacement de l'ancien Canadian Tower, secteur Cam-la-Madeleine. Alors, les travaux seront réalisés par la SIC, Société immobilière du Québec. Alors, c'est un organisme public. Alors, ensemble, et la Ville et la SIC, il y aura une entente pour permettre que les travaux soient réalisés par la SIC, mais payés, bien sûr, par la Ville. Alors, au point 8, c'est Mme Sabrina Roy qui me donnait l'avis de motion. Au point 9, c'est un règlement qui autorise des travaux de modernisation de notre système de préemption. Alors, le système de préemption, en fait, c'est un système qui sert à prioriser les déplacements des véhicules de service incendie au feu de circulation. Alors, au point 9, c'est M. Danny Carpentier qui me donne l'avis de motion.
au point 10. M. Claude Ferron me donne l'avis de motion pour... alors, c'est un élargissement de trottoir. En fait, on appelle ça communément une avancée de trottoir. Alors, un élargissement qui permet finalement de sécuriser les piétons. Donc, c'est une mesure d'apaisement de la circulation. Alors, c'est un règlement de 275 000 $. Au point 11... Un règlement de 11 millions pour des travaux d'agrandissement et de rénovation de l'aéroport. Alors, ce sont des travaux qui vont être payés à même l'ensemble, par l'ensemble de la ville. Au point 12, un règlement qui autorise la fourniture de services professionnels en ingénierie pour les plans et devis, la surveillance des travaux. Alors, c'est pour la construction d'un nouvel émissaire pluvial, la réfection de la conduite du trop-plein sur la rue Père-Daniel et l'aménagement d'un corridor hors normes. Alors, l'emprunt, c'est 1 664 000 et ces travaux bénéficieront de la subvention FIMO. Alors, au point 12, c'était bien M. Carpentier qui me donne l'avis de motion, qui n'a pas utilisé son bouton. Ah ben, il est très bien utilisé, mon bouton, et oui, ça me fait plaisir de proposer cet avis de motion qui a été... Je vais rafraîchir mon écran. Puis ça fait plaisir de proposer ça pour la rue Père-Daniel, qui en a bien besoin. Merci. Alors, au point 13, toujours M. Marc Carpentier qui donne l'avis de motion pour la construction d'un trottoir sur le côté nord de la rue Bellefeuille entre la côte Richelieu et la rue Louis-Julien. Alors, ces travaux sont de 200 000 $. Sont estimés plutôt à 200 000 $. Alors, au point 14, Mme Valérie Renaud-Martin me donne l'avis de motion pour des travaux d'aménagement de plusieurs ruelles vertes à différents endroits. Alors, les ruelles vertes, en fait, c'est de rendre plus conviviales les ruelles. Alors, c'est un concept de béton pour les autos, pour les véhicules, et de béton alvéolé, là, pour permettre finalement la verdure de passer à travers et de réduire les îlots de chaleur. Alors, le point 14, j'avais bien dit que c'était Mme Valérie Renaud-Martin qui me donne l'avis de motion. Alors, c'était pour un emprunt de 1 million de $. Au point 15, alors, c'est un règlement qui autorise l'élargissement à la construction de trottoirs, toujours l'avancée, comme je vous disais tout à l'heure, pour permettre la circulation, qui est une mesure d'apaisement de la circulation. Alors, on est sur la rue Maurice L. Duplessis, entre Monseigneur Briand et des Cyprès, un emprunt de 550 000 $, et c'est donné par M. Claude Ferron. Au point 16, un règlement pour autoriser l'acquisition de conteneurs à levée frontale, 350 000 $. M. Daniel Cournoyer me donne la ligne. Au point 17, alors, un règlement qui décrète une nouvelle phase de Rénovation Québec. Alors, c'est un emprunt de 1 500 000 $ qui va être défrayé par la Ville 50 % mais par la SHQ à 50 %. Alors, c'est M. Michel Cormier qui me donne la ligne de motion au point 17. Au point 18, alors une modification au règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité publique, alors pour permettre la consommation de boissons alcooliques sur une partie du parc portuaire, communément appelée la terrasse Saint-Lô, qui permet aux différents restaurateurs d'aller porter des repas. Alors c'est M. Denis Roy qui me donne l'avis de motion. Au point 19, dernier des avis de motion. Alors, c'est un règlement qui modifie le règlement sur la limite des vitesses sur les artères collectrices afin de modifier la limite à 50 km/h sur le rang Saint-Malo. Donc, on passe de 70 à 50 avant la montée Sainte-Marthe et de la rue du Parc Frigon. Donc, au point 19, toujours M. Daniel Cournoyer qui me donne l'avis de motion. Alors, prochaine section, projet de règlement, en fait, c'est le projet qui avait fait l'objet de l'avis de motion au point 1. Alors, on doit, en vertu de la loi de l'aménagement d'urbanisme, l'adopter. Et il y aura une assemblée publique qu'on espère en présentiel le 7 septembre prochain. Alors, il y aura publication d'un avis public dans l'Hebdo Journal du 8 août et sur le web. Donc, toute personne intéressée qui veut venir s'informer sur pourquoi cette modification au schéma pourront venir à l'Hôtel de Ville. Donc, au point 20, qui propose d'approuver le chapitre 85? Je propose, Mme la greffière. Appuyez, Mme la greffière. Le vote est-il demandé?
C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 21, toujours la procédure de réglementation. Alors, ici, on est rendu au second projet. Alors, il y a eu un avis de motion, il y a eu un premier projet. Maintenant, on est au second projet. Il y aura un avis d'approbation référendaire qui sera publié dans l'Hebdo Journal du 23 juin et également sur le Web, qui permet aux personnes intéressées de demander l'ouverture de registre. Toutefois, ce formulaire doit être obtenu ici à l'Hôtel de Ville et nous être tourné avant le 1er juillet, étant donné que le 1er juillet est un congé férié. Donc, au point 21, il s'agit du règlement qui établit le cadre discrétionnaire en matière d'urbanisme. Alors, nous sommes en refonte de tous nos règlements d'urbanisme, zonage, lotissement, plan d'urbanisme, qui sera approuvé à l'automne. Ce règlement vient en harmonisation avec la refonte des autres règlements qui constituent tous nos règlements PIA, nos différents PIA qui font l'objet plus tard dans l'ordre du jour de résolution. Également, notre règlement de dérogation mineure, dérogation pour les constructions en zone à risque de glissement de terrain et les usages conditionnels. Donc, qui propose d'approuver le second projet 72 au point 21? Je propose, Mme Le Greffier. J'appuie, Mme Le Greffier. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Prochaine section, les règlements. Donc, pour certains règlements, ils ont fait l'objet d'avis de motion, premier projet, second projet. On en est maintenant au règlement. Pour d'autres, c'est tout simplement avis de motion et dépôt de projet, selon les règles édictées par la loi habilitante. Alors, au point 22, c'est un règlement qui modifie le règlement sur la gestion des contrats de la Ville, notre règlement 2019, chapitre 110. Alors ici, il fallait, en vertu du projet 67, du projet de loi qui a été édicté il y a peu de temps, alors on avait jusqu'à la fin juin pour ajouter dans notre règlement des mesures qui favorisent les biens et services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Donc, nous devons mettre cette règle dans notre projet de règlement et il concerne tous les contrats qui sont en dessous du seuil des appels d'offres publics, soit en dessous du montant de 105 700. Donc, qui propose d'approuver le chapitre 88 au point 22? Je le propose, Mme La Greffière. Et c'est appuyé, Mme La Greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 23, un règlement qui modifie le règlement sur les tarifs en matière de culture, loisirs et vie communautaire. Alors, c'est de venir ici modifier les frais exigibles pour l'utilisation d'une aire écologique, espace vert ou aire de conservation. C'est une précision. En fait, une entreprise qui est de Trois-Rivières peut utiliser un parc sans service pour une activité sans être obligé de défrayer aucun frais. Alors, qui propose le chapitre 89? Je le propose, Mme Le Greffier. Et je l'appuie. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 24, un règlement d'emprunt qui a été édicté en 2008. Alors, c'est un règlement pour la construction d'un poste de pompage qui est décrété pour acheminer les eaux usées du nouveau tronçon du réseau d'égouts sanitaires sur la rue de la Sentinelle. Alors, c'est un règlement d'emprunt de 840 000 $. Ici, on vient ajouter un nouveau bassin de taxation. En fait, il y a des nouvelles propriétés qui se sont construites et qui bénéficient des travaux de ce poste de pompage. Alors, on vient charger à ces propriétaires une partie de ce règlement d'emprunt, donc la partie non encore payée. Donc, qui propose le chapitre 90 au point 24? Je le propose, Mme La Greffière. Et je l'appuie, Mme La Greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, on est sorti des règlements. Maintenant, on est dans les résolutions. Première direction, la direction générale. Donc, au point 25, un avenant numéro 10 avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Alors, encore une fois, un montant, 1 million supplémentaire pour permettre de continuer à offrir des prêts dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent passer à travers la pandémie. Donc, ce montant supplémentaire sera bien sûr, comme pour l'ensemble du 15 millions, géré par un comité d'investissement sous la gouverne d'ID Trois-Rivières. Donc, qui propose la signature de cet avenant au point 25? Je le propose. Et je l'appuie, Mme La Greffière.
Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 26, alors une entente, modification numéro 11 de l'entente avec Innovation et développement économique de Trois-Rivières. Alors cette fois, encore une fois, pour venir préciser certains mandats, dont des travaux, des responsabilités quant à l'entretien et à l'entretien des équipements de l'aéroport. Donc, qui propose la signature de l'avenant 11 au point 26? Je propose M. Tremblay, Claude Ferron. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, un peu plus tôt, vous avez vu l'avenant 10 qui nous permet qui permet en fait au comité d'investissement d'octroyer des prêts. Donc, ce soir, comme à l'habitude, nous avons plusieurs prêts dans le cadre du programme des petites et moyennes entreprises, soit en alerte maximale ou dans le programme habituel. Donc, c'est nos points 27 à 38. Alors, on va y aller quand même assez rondement. Alors, ces points, c'est tout simplement pour autoriser la trésorière à délivrer les chèques des entreprises qui bénéficient des prêts en question. Donc, au point 27, 50 000 à Willard Traiteur Incorporé. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. 28, 25 000 à Groupe Optimize Sport Inc. Je propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. 29, 6 000 à Mansour Coiffure Incorporée. Qui propose? Je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. 30, 22 000 à Valentine. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. 31, 18 000 à Café Bar Zenob Incorporé. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Le point 32, alors 56 500 à la compagnie numéro 94-05-98-39 Québec Inc. Qui propose? Je le propose, Mme la greffière. J'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Le point 33, alors 14 000 à collection Liliane G. Hayes Incorporée. Qui propose? Je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Qui a appuyé, s'il vous plaît? Écoutez, okay. Le proposeur, Danny Carpentier, puis oui, Valérie Renaud-Martin qui appuie. Alors, au point 34, au point 34, 16 000 à Marina, prête à porter, qui propose? Je le fais, Mme la greffière. Appuyez, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 35, 42 000 à restaurant Casa Grec, Trois-Rivières. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Le point 36, 10 900 à Jim Deschaines, 2017. Qui propose? Je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. 37, 21 000 $ à Binerie Chic du Centre-Ville Incorporé qui propose. Je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 38, 100 000 $ à 94-43-09-49 Québec Inc. qui propose. Je le propose, Mme la greffière, Dany Carpentier. J'appuie, Mme la greffière, Daniel. Daniel Cournoyer, est-ce que le vote est demandé? C'est adopté à l'unanimité. Bon, alors maintenant, direction aménagement et développement urbain. Alors, un peu plus tôt, au début de la séance, je vous mentionnais qu'il y a certaines résolutions qui ne fonctionnent pas comme les autres. Alors, en voici quelques-unes. Au point 39, il s'agit du second projet d'autorisation. Donc, ce sont ce qu'on appelle des projets particuliers qui impliquent un immeuble en particulier. Donc, c'est permettre dans une zone, dans un endroit précis, un usage qui, ailleurs, dans la zone, n'est pas permis. Alors, au point 39, on est à l'étape du second projet. Ça a déjà fait l'objet d'un premier projet, également d'une consultation écrite pendant 15 jours. Alors là, on est rendu au second projet. Alors, il y aura un avis d'approbation référendaire dans l'hebdo du 23 juin. Et les gens, les personnes intéressées qui veulent une ouverture de registre sur ce second projet d'autorisation
doivent en faire la demande avant le 1er juillet. Donc, au point 39, il s'agit du 546-548 de la rue des Ursulines. Alors, permettre à cet endroit l'usage résidence de tourisme. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, les deux prochains points, il s'agit d'autorisation particulière en zone potentiellement exposée au risque de glissement de terrain. Alors, dans les deux cas, il y a eu une étude d'expertise géotechnique qui confirme que les travaux ne fragiliseront pas le talus, mais en autant que certaines conditions soient respectées. Donc, au point 40, c'est au 149 de la rue de la Fougère, dans le district électoral de Pointe-du-Lac, alors permettre l'installation d'une piscine creusée. Alors, qui propose cette autorisation au point 40? Comme un ingénieur l'a approuvé, je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 41, permettre au 10 de la place Freeman un agrandissement d'une résidence unifamiliale en haut du talus. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Appuyez, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 42, permettre un cautionnement en faveur d'accès logement Trois-Rivières envers la Caisse des Jardins de Trois-Rivières. Donc, l'organisme fait un emprunt de 95 000 $, notamment pour rencontrer ses obligations, ses frais de fonctionnement, et la Ville accepte de cautionner l'organisme. À qui propose le point 42? Je propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 43, notre programme Réno-Région. Alors, ce programme, la valeur admissible de la propriété, la valeur admissible à ce programme d'une propriété était de 115 000 $. Alors, le gouvernement accepte que cette valeur soit haussée à 120 000 $. Donc, le Conseil passe une résolution ce soir pour augmenter de 5 000 $ la valeur admissible à ce programme Réno-Région. Qui propose? Je le propose, Mme la greffière. Appuyez, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 44, c'est une entente de travaux municipaux qui a été faite avec 92-14-77-68 Québec Inc. Alors, ça concerne la construction des infrastructures dans une partie de la rue de Rome. Alors, ce soir, c'est pour venir augmenter la partie municipale, alors de moins de 3 000 $. C'est la facture qui revient à la Ville à cause du surdimensionnement de la conduite qui bénéficie à plus que le secteur. Et cette augmentation, bien sûr, provient des soumissions qui sont plus élevées que les estimées. Donc, qui propose de signer l'addenda 1 au point 44? Je le propose, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 45, une vente dans le parc industriel Carrefour 4055, un terrain en bordure de la rue Charles Mayotte, au prix de 177 470 $. L'entreprise qui est les entreprises Malak et Yoga Incorporées devront construire sur l'immeuble un bâtiment d'au moins 20 % de la superficie du terrain. Donc, qui propose de signer le contrat au point 45? Je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, les points 46 à 57, comme à toutes ou presque les séances, ce sont des travaux d'immeubles qui sont situés à l'intérieur de secteurs qui sont sujets à des règlements d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, on a aussi, au point 46, ce qu'on appelle un règlement constituant en site patrimonial une partie d'un lot qui est situé dans le district électoral de Marie-de-l'Incarnation. Donc, tous ces travaux ont été présentés au CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Le comité a recommandé favorablement d'approuver ces travaux. Donc, ce soir, les membres du Conseil, en approuvant les travaux, ça permet à la direction de l'aménagement du territoire et du développement urbain de délivrer à ces personnes qui sont admissibles, qui ont demandé ces travaux, de délivrer le permis.
Et le permis sera bon pour 18 mois. Donc, à compter de ce soir, jusqu'à 18 mois plus tard, si les travaux ne sont pas réalisés, la résolution est caduque. Donc, au point 46, ce sont des travaux sur le site patrimonial. En fait, c'est l'ancienne usine de filtration de la CIP, le Boréaliste, qui a été citée monument patrimonial. Donc, qui propose l'approbation des travaux qui sont projetés sur cet immeuble? Je le propose, Maître Tremblay. C'est appuyé, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 47 des travaux de rénovation au 393 de la rue Notre-Dame-Est, qui propose d'approuver les travaux? Je propose, Madame la greffière. Appuyez, Madame la greffière. Est-ce que le vote est demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 48 des travaux de rénovation au 11 931 de la rue Notre-Dame-Ouest, qui propose de délivrer le permis pour ces travaux? Je le propose, Madame la greffière. Et je l'appuie, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 49 de la rénovation, des travaux de rénovation 1918-1924 de la rue Royale, qui propose d'approuver ces travaux? Je propose, Madame la greffière. Ben, je vais l'appuyer, Madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, on manque de pratique un peu. C'est normal, ça fait un an. Alors, on va se donner une chance. On va se reprendre, Monsieur le maire. Alors, au point 50, 1942-1946 de la rue Royale, des travaux de démolition du bâtiment et d'aménagement du terrain qui propose d'approuver les travaux. J'étais fébrile à proposer, approuver à cet endroit-là. Là, je propose, Mme la greffière. J'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 51 des travaux de rénovation 1993-1999 de la rue Saint-Philippe, qui propose de délivrer le permis? Je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 52, travaux d'agrandissement au 731-735 de la rue Sainte-Julie, qui propose d'approuver les travaux? Je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 53 de la rénovation au 885 de la rue Néré-Duplessis, qui propose de délivrer le permis? Je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 54, des travaux de construction d'une remise au 519 de la rue des Volontaires, qui propose d'approuver ces travaux? Je le propose, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 55 des travaux de construction d'un garage isolé au 664 de la rue Saint-François-Xavier, qui propose de délivrer le permis? Je le propose, Mme la greffière. Appuyez, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Travaux de restauration et de mise en valeur du bâtiment du 570-572 de la rue Sainte-Cécile, qui propose d'approuver ces travaux au point 56. Je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, dernier point des PIIA. Alors, travaux d'agrandissement du bâtiment situé au 1785 du boulevard du Carmel, qui propose de délivrer le permis. C'est Pierre Montreuil qui le propose, Mme la greffière. Et appuyez, Maître Tremblay. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, le point 58, le 20 avril dernier, le Conseil de la Ville de Trois-Rivières prenait l'engagement de contribuer financièrement au projet de construction de 100 logements abordables destinés à la clientèle étudiante. Donc, ce soir, c'est une étape de plus, soit la convention de contribution financière qui sera signée entre l'organisme appelé Utile Trois-Rivières et la Ville. Le 500 000 $ est payé sur plusieurs exercices financiers, soit jusqu'en 2024, par tranche de 100 000 $. Alors, qui propose la signature de cette convention au point 58? Je propose, Mme la greffière. C'est appuyé, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, le point 59, comme à chaque séance, c'est pour permettre à la trésorière de délivrer les chèques aux propriétaires qui bénéficient de subventions dans le cadre, cette fois, de redéveloppement de la partie des premiers quartiers assujettis à un plan d'implantation et d'intégration architecturale et également le programme restauration du patrimoine immobilier. Qui propose le point 59? Je le propose, Mme la greffière.
Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 60, la Ville de Trois-Rivières demande une autorisation au gouvernement du Québec. En fait, l'administration portuaire de Trois-Rivières veut construire ce qu'on appelle un nouveau terminal maritime multifonctionnel. Alors, les travaux de construction nécessitent des travaux de construction d'un nouvel émissaire fluvial sur les lieux du projet. Et pour éviter qu'il y ait deux entrepreneurs différents et que ce soit difficile de coordonner ces deux chantiers, alors l'administration portuaire prendra en charge les travaux en question. Alors, pour permettre de conclure cette entente, il faut que le gouvernement autorise par décret qu'on puisse convenir d'une entente avec l'administration portuaire puisqu'il s'agit d'une société d'État fédéral. Donc, qui propose le point 60? Je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Prochaine direction de l'approvisionnement, donc celle des contrats et habituellement modification, mais ce soir seulement deux contrats. Alors, au point 61, c'est un contrat pour la réfection, modification, installation de clôtures, barrières, bollards ou autres, incluant multitude d'options. Alors, c'est Clôture Nord-Sud qui a présenté la plus basse soumission conforme au prix de 292 728,85 et le contrat doit être terminé au 31 décembre 2021. Qui propose d'octroyer le contrat au point 61? Je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 62, c'est la fourniture et l'installation de deux têtes pour les puits de production d'eau potable. Donc, un contrat, on a demandé des soumissions pour ces travaux. Alors, c'est R.J. Lévesque et fils incorporé qui a présenté la plus basse soumission conforme pour le montant de 222 476,63 taxes incluses. Qui propose d'adjuger le contrat à R.J. Lévesque au point 62? Je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, prochaine direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire. Alors, au point 63, une aide financière non récurrente au complexe multidisciplinaire Les Estacades. Alors, 140 000 en 2021. Encore une fois, pour permettre d'éponger les pertes de revenus liées à la pandémie de la COVID-19. Qui propose cette aide financière au point 63? Je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 64, encore une aide financière non récurrente, cette fois Info Logis Mauricie. Alors, c'est 11 000 $. Alors, c'est pour financer l'ajout de ressources temporaires rendues nécessaires à la suite de la pénurie des logements. Alors, cette ressource accompagnera les citoyens dans la recherche de logements dans le contexte de la pandémie qu'on connaît. Alors, qui propose cette aide au point 64? Je propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, les points 65 à 70, en fait, c'est annuellement, ce sont des projets qui sont subventionnés dans le cadre de la politique municipale de développement social. Alors, cette politique a été mise sur pied pour soutenir financièrement des organismes en développement social pour des projets novateurs. Donc, au point 65, il s'agit d'une subvention de 11 000 $ à l'Agence immobilière sociale pour leur projet La Buanderie sociale. Qui propose le point 65? Je propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 66, une convention avec Concept, alors c'est 8 000 $ pour leur projet Stationnement vert dans le volet Espace d'animation d'atelier. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Maître Tremblay. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 67, 24 000 $ à Ébillon pour leur projet, pour financer leur projet Cuisinons la tablée. Qui propose? Je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Est-ce que le vote est demandé? C'est adopté à l'unanimité. 68, 10 000 $ à Grands Frères et Grandes Sœurs de Trois-Rivières pour leur projet Les Grands Copains Académie Les Estacades.
Qui propose cette aide financière? Je propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Est-ce que le vote est demandé? C'est adopté à l'unanimité. Subvention de 22 000 $ à Pointe-Rue de Trois-Rivières et Nicolette Yamaska pour leur projet Contribution à la coordination de l'équipe interprofessionnelle en santé mentale, justice et itinérance de Trois-Rivières. Qui propose de signer cette convention pour la subvention au point 69? Je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 70, 20 000 $ au service d'accueil des nouveaux arrivants, le SANA Trois-Rivières, pour leur projet S'intégrer, s'entreprendre. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, les points 71 à 75, il s'agit des ententes annuelles avec des organismes sportifs qui s'occupent de l'organisation, promotion et développement de sport auprès des jeunes. Alors, au point 71, c'est une subvention de 5 115 $ au Club de patinage artistique Cendrillon Incorporé. Qui propose? Je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 72, 5 324 à l'Association du hockey mineur de Trois-Rivières. Qui propose? Je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. 73, 5 956 $ à l'Association du baseball mineur de Trois-Rivières-Ouest. Qui propose? Danny Carpentier, je le propose. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. 74, 8 864 à Club de gym Tri-Excel de Trois-Rivières métropolitain. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Appuyez, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. 16 640 $ à Club de soccer de Trois-Rivières. Qui propose d'adjuger cette aide financière? Je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 76, le 4 mai dernier, on approuvait les collectes pour la prochaine année. Toutefois, il y a eu un changement, donc l'organisme Concept ayant abandonné sa collecte. Alors, c'est la Croix-Rouge qui prend sa place. Donc, le point 76, qui propose? Je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Est-ce que le vote est demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, le point 77 est retiré de votre ordre du jour, mais il reviendra sous une autre forme au point en affaires nouvelles. Donc, au point 78, on est dans la direction des finances, la liste des contrats conclus au nom de la ville par le comité exécutif ou par un fonctionnaire pour le mois de mai. Donc, ce sont tous les contrats qui comportent une dépense de 25 000 ou plus, ou tous les contrats de 2 000 et plus avec un même fournisseur, dont plusieurs font en sorte qu'on dépasse 25 000 et plus. Alors, qui propose de prendre acte de cette liste au point 78? Je propose, Mme la greffière. Appuyez, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, prochaine direction, celle du génie 79. C'est une aide financière qui est demandée au ministère des Transports. Alors, c'est pour le plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal. Alors, c'est une deuxième demande de prolongation de délai, étant donné que la Ville n'est pas en mesure de présenter son plan d'intervention. Alors, la Ville demande au ministère des Transports de lui octroyer un délai supplémentaire pour permettre d'aller chercher la subvention escomptée. Qui propose le point 79? Je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 80, une 100 000 $ qui est approprié de l'excédent de fonctionnement affecté à une étude de faisabilité pour la passerelle de la piste cyclable sur le pont Radisson pour financer les études d'avant-projet qui seront déposées au ministère des Transports du Québec. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Mais je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 81, la Ville de Trois-Rivières requiert le ministère des Transports pour d'aménager un stationnement préventif, incitatif, en tout cas, plusieurs mots peuvent être utilisés, conjoint avec le ministère. Alors, ce serait dans la bretelle de l'autoroute 55 et du boulevard Ginache-Kruger. Alors, il y aura, c'est sûr que si le ministère des Transports accepte, il y aura aussi partage des coûts relatifs à la construction et à l'aménagement. Alors, ce stationnement desservira bien sûr les citoyens
qui iront au nouveau Colisée, mais aussi lors de fermeture du pont La Violette, où souvent le ministère recherche des stationnements pour les automobilistes. Alors, qui propose cette demande faite au point 81? Je le propose, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Direction du greffe, la gestion des documents et des archives. Au point 82, le procès-verbal, la séance ordinaire tenue le 1er juin. Tous en ont reçu d'avance copie. Alors, qui propose copie numérique? Qui propose d'approuver le procès-verbal du 1er juin? Je propose, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. C'est plus long, celui-là. Ça, c'est comme les CHSLD. Il y a plus de lettres. Je pense que je voulais dire unanimité, madame. Alors, au point 83, c'est un dépôt d'un procès-verbal de correction pour des erreurs mineures et cléricales. Alors, une petite erreur qui s'est glissée dans le 2021, chapitre 81. Qui propose? Je le propose, madame la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 84, en cas de pandémie, nos journées d'enregistrement sont remplacées par des registres à distance. Donc, pendant 15 jours, les gens peuvent s'inscrire de façon par écrit. Alors, qui propose le point 84? Je propose, Mme la greffière. Appuyez, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 85, à la suite du passage de la ville de Trois-Rivières au palier jaune, la ville décide de mettre fin à la gratuité des parcomètres à compter du 19 juin. En fait, ça va être effectif à compter de lundi prochain. Donc, qui propose de mettre fin à cette gratuité au point 85? Je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Prochaine direction, celle de la police. Alors, c'est une entente aux 3 ans, 4 ans avec la Sûreté du Québec. Alors, c'est pour permettre un prêt de service de policiers de la ville qui vont travailler à l'escouade régionale mixte de la Mauricie. Alors, qui propose le point 86? Je propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. La direction des ressources humaines. Alors, au point 87, c'est une embauche à la direction de l'aménagement et développement durable. Alors, Mme Elisabeth Casey, qui est embauchée à titre de coordonnateur patrimoine et projet d'architecture. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Appuyez, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 88, l'embauche de Mme Marie-Josée Quentin comme coordonnatrice loisirs au sein de la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 89, on salue le retour de Maître Alex Hamelin comme chef des services juridiques au sein de la Direction des services juridiques. Qui propose? Je le propose avec plaisir, madame. Et je l'appuie avec plaisir, madame la greffière. Le vote n'est-il pas demandé? Est-il demandé? Donc, c'est adopté à l'unanimité avec plaisir. Il nous écoute sûrement. Alors, au point 90, création d'un poste de conseiller stratégique et embauche. Donc, créer ce poste cadre à compter du 6 septembre 2021. Monsieur René Martin, qui prend sa retraite, occupera ce poste pour un mandat bien précis, celui de conseiller sur les travaux de réaménagement de notre quartier général. Donc, qui propose de signer le contrat de travail au point 90? Je le propose, Mme la greffière. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Direction des services juridiques, le point 91, c'est un paiement d'une indemnisation. Alors, c'est le 26 rue Saint-Valère, où il y a eu une infiltration d'eau à la suite des travaux qui ont été faits pour la rue Beauchemin. Alors, un montant de 13 803,26. Qui propose le point 91? Je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 92, c'est une lettre d'appui. C'est M. Ghislain Lachance qui va signer cette lettre pour et au nom de la ville de Trois-Rivières. Alors, c'est un appui à cette société d'État pour lui accorder finalement une permission gratuite d'occuper pendant au moins 10 ans des terrains
pour le réseau circuit électrique. En fait, le réseau circuit électrique, c'est le déploiement d'infrastructures de recharge rapide pour véhicules électriques. Donc, un peu partout dans la ville, il y aura des bornes de recharge pour permettre aux propriétaires de véhicules électriques de faire la recharge de leur batterie. Qui propose le point 92? Je la propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Les deux prochains points, alors ce sont des points qui vont ensemble. Il s'agit d'une modification au programme de réduction et captation des gaz à effet de serre. Donc, ce programme a été approuvé le 20 octobre dernier. Alors, on vient simplement faire une petite précision au niveau d'études qui devront être faites avant de pouvoir, avant que l'organisme et le projet soient admissibles. Donc, ça, c'est au point 93. Donc, on vient faire cette modification au programme. Et au point 94, cette modification nécessite pour la Fondation de Trois-Rivières pour un développement durable, qui est en fait qui gère ce programme-là. Alors, ça va lui occasionner, bien sûr, du travail supplémentaire. Donc, on vient lui octroyer 50 000 $, peut-être plus 50 000 que 50 $ par année de plus pour occuper cette nouvelle responsabilité. Donc, qui propose le point 93? Je propose, Mme Tremblay. Et je l'appuie, Mme Tremblay. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Qui propose le point 94? Je propose, Mme Tremblay, Claude Ferron. Et je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, en affaires nouvelles, vous ne les avez pas sur votre ordre du jour. Alors, au point 95-96, il s'agit de deux contrats. On a reçu tout dernièrement l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour nos règlements d'emprunt. Donc, ce soir, on va octroyer tout de suite les contrats, puisque c'était quand même assez urgent. Donc, au point 95, il s'agit d'un contrat pour des travaux de remplacement d'une partie du réseau de potable et d'égout, incluant les accessoires situés sur la rue Saint-Léon. Alors, le montant est de 878 511 $. Construction et bavage bois vert incorporé a présenté la plus basse soumission conforme. À noter que ces travaux sont subventionnés. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. J'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Au point 96, des travaux de remplacement d'une partie du réseau d'eau potable et d'égout, incluant les accessoires, cette fois sur la rue Sainte-Marie. Encore une fois, construction et pavage bois vert incorporé, qui a présenté la plus basse soumission conforme au montant de 750 735 $. Et également, ces travaux sont subventionnés. Qui propose? Je propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Le vote est-il demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 97, je vous ai dit plus tôt, pendant la séance, qu'il y avait un point qui était retiré, mais qui revenait plus tard en affaires nouvelles. Alors, le voici. C'est une subvention de 10 000 $ qui est octroyée à l'Association des scouts du Canada, district de la Mauricie. Alors, ce club a subi des dommages graves à la suite de l'orage violent. Alors, c'est vraiment pour les aider à faire les travaux de nettoyage et à offrir, bien sûr, un site sécuritaire pour les jeunes qui sont inscrits à leur camp de jour. Alors, qui propose? Je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie et, si vous permettez, j'aimerais saluer à la SCOUT la solidarité trifluvienne qui s'est manifestée en fin de semaine dernière pour la corvée. Et cette solidarité-là va pouvoir se manifester à nouveau la fin de semaine prochaine, puisqu'il y a encore des besoins. Parfait. Est-ce que le vote est demandé? C'est adopté à l'unanimité. Alors, Monsieur le maire, on passe à notre période de questions du public. Effectivement, on va passer tout d'abord, merci, Maître Tremblay, là, pour la lecture, la nomenclature des points à l'ordre du jour. On va maintenant passer à la période de questions. Là, écoutez, il y a Cynthia, Mme Simard, qui est notre directrice des communications. On va d'abord procéder à la période de questions parmi les gens qui sont présents ici, c'est ça? Donc, oui, je vous laisse. Alors, comme d'habitude, ceux et celles qui veulent poser des questions, il s'agit de lever la main et me dire votre nom. Est-ce qu'on a d'autres personnes? Oui. Claude de Morin, je
c'est vous qui c'était M-O-R-A-N-D. Non, c'est E-S-T-R-A-D-E. Bon, alors, on a d'autres personnes? On y va, Mme Massimard? Monsieur Charest? Bien, mon intervention est beaucoup plus d'un remerciement. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, la fin de semaine dernière, on a tenu 2 jours d'opération de nettoyage majeur au domaine. On a eu le privilège d'avoir la présence, entre autres, de Mme Renaud Martin, de M. Fortin et de M. Tremblay qui sont venus nous donner un bon coup de main. On a eu la visite de M. le maire, de M. Cormier et M. Cournoyer. La visite de ces personnes-là a aussi, je crois, donné un bon boost pour le conseil d'administration et les permanents. Et mon intervention est pour vous dire un grand merci. Parce que le domaine, c'est plus, c'est un centre de villégiature qui est là pour notre clientèle jeune, clientèle locale et aussi le centre de jour qui est utilisé. Avec les travaux qui ont été faits en fin de semaine, plus de 250 personnes samedi, tout près de 200 personnes dimanche, on est en mesure de sécuriser des sections que l'on considérait importante et prioritaire. Et ça a fait en sorte que hier matin, bien, les gens qui avaient des classes vertes, des tout petits qui ont eu des classes vertes, ont pu retourner au domaine puis profiter de la journée. C'est sûr qu'à certains endroits, ceux qui c'était une deuxième ou une troisième visite se demandaient s'ils étaient ailleurs parce qu'il y avait eu passablement d'arbres qui avaient été enlevés pour assurer la sécurité du site et des gens. Donc, 3500 arbres qui ont à être enlevés et un 1500 autres qui vont devoir être sécurisés. Ça a été majeur. Bien, si vous me permettez, M. Jaurès, je vais faire peut-être un peu de pouce sur votre intervention parce que vous touchez là, l'essence même de la nature, de la contribution de la ville. Parce que pour les citoyens, le mouvement scout est important. Oui, c'est un lieu qu'il faut préserver, c'est un lieu qu'il faut entretenir. Mais collectivement, ce que vous apportez aussi par les camps de jour, par aussi les camps scouts pour les trifluviens, bien, ça permet à des familles d'avoir, bon, premièrement, accès au travail. Ça permet à des couples de pouvoir travailler pendant l'été. Ça permet aussi à des jeunes de vivre des expériences incroyables. Moi, j'en retiens là, des années où j'ai été louveteau, entre autres. J'en retiens que des bons souvenirs. Et puis aussi, bien, ça permet à des gens de milieu urbain de découvrir tout près de chez eux ce qu'est une forêt. Puis maintenant, on peut le dire, une forêt bien entretenue. Alors, M. Morin. Monsieur le maire, monsieur et madame les conseillers, bonsoir. Monsieur le maire, content de vous revoir en présentiel. Ben oui, plaisir partagé, monsieur Morin. Oui, merci. Monsieur le maire, je suis venu ici il y a environ 2 ans. Ah, Claude Morin, je me présente, secteur Sainte-Marthe, fier gérant d'estrade, comme se plaît à dire l'un de vos conseillers. Monsieur le maire, je suis venu ici il y a environ 2 ans. Moi, je demeure à Sainte-Marthe et je travaille à Trois-Rivières. Pour mentionner moi, je suis un automobiliste, OK? Je suis un méchant automobiliste. Il y avait, c'était l'interruption de service pour les virages à droite avec la piste cyclable, c'était pas ça? Non, c'est la coordination des feux rouges, des feux. Puis, depuis 2 ans, là, toutes les fois, là, qu'il y a un travail sur un des feux, bien, il n'est pas re-coordonné avec les autres. C'est un peu ça. Ce soir, ça m'a pris 20 minutes de me rendre ici, de Sainte-Marthe. Je suis devant au début de Sainte-Marthe, là, à la pointe à Sainte-Marthe, 20 minutes. C'est pas normal, un peu, là. C'est pas normal. Puis je pense que dans votre vision de tout le monde, bien, c'est de coordonner les feux à 50 km. Donc, on ne roule pas vite à 50, on est en dessous de 50 km. Puis il faudrait peut-être les coordonner automatiquement. Je ne sais pas si ça se fait, mais là, ils ne sont pas coordonnés. Ils sont tous décoordonnés, comme. Okay, ben. Fait que j'aimerais ça que vous penchiez là-dessus. Moi, je fais ce trajet-là tous les jours. Tous les jours. Puis c'est pas normal que ça me prenne une demi-heure de me rendre à Trois-Rivières-Ouest. C'est pas normal. Ou au pont à Trois-Rivières-Ouest.
Puis je prends la rue Sainte-Madeleine, Saint-Laurent, Saint-Maurice, Fusée, Saint-Maurice. Puis j'arrête là, à toutes les deux feux, j'arrête, c'est pas normal. Puis à Trois-Rivières, ça paraît de la Violette, puis sur la rue Royale. Parfait. Bien, écoutez, l'harmonisation des feux, c'est un sujet qui est ramené là à chaque année lors des discussions du budget, parce qu'il y a des coûts reliés à ça. Fait que je pense qu'on pourra, ce sera ajouté, ce sera discuté ici par les membres du conseil. Vous, c'est Ginesh Kruger ou c'est dans votre cas, c'est Sainte-Madeleine? Bien, c'est toutes tout les rues. Fusée, Sainte-Madeleine, Ginesh Kruger, c'est ça, Saint-Maurice. C'est ça. Okay. Et puis, j'aurais une deuxième intervention, c'est que on a refait l'asphalte sur le Sainte-Madeleine, la rue Sainte-Madeleine, puis ils ont arrêté à la rue Saint-Maurice. Puis le petit bout entre Saint-Maurice et Alice, il n'a pas été fait. Pensez-vous qu'il va être fait? Pensez-vous qu'il va être... Je pense que votre conseiller qui souhaitait intervenir. OK, Cynthia, il faut que tu te rendes à ta place puis pour nous lire aussi. On va aussi avoir une période de questions qui est celle que les gens nous font, celle que les gens nous font parvenir. Le temps, il faut quand même donner une chance à Cynthia qui se réinstalle. Puis, vous avez votre micro, hein, de votre côté, oui. Oui, ça marche. Ça fonctionne. Il faut dire ça fonctionne. Donc, la première question provient de M. Raymond Dorion. Il souhaite savoir quand l'aqueduc passera-t-il sur le rang Saint-Nicolas. Bien, écoutez, en ayant reçu la question d'avance, on a pu faire nos vérifications. Puis, écoutez, je le regrette de vous informer qu'on n'a aucun projet qui est lié à cette demande pour l'instant. Monsieur le maire, de toute façon, M. Dorion, je ne comprends pas qu'il vous ait écrit parce qu'on s'est parlé il y a deux jours, puis j'avais répété à peu près la même chose. OK. Puis à sa question, je vais la répondre live s'il nous écoute. Que j'ai posé la question à Dominique Thibault, l'usine d'explosifs à Yamachiche, même s'ils creusent, ça ne coupera pas la nappe, le réseau d'eau pour la nappe phréatique, il n'y a pas de trouble là-dedans. Parfait. Il va continuer à avoir de l'eau si ça ferme. Donc, c'est une bonification de réponse. On vous écoute, Mme Simon. Prochaine question de Pierre Lanouette. Bonsoir, M. le maire. Lors de la dernière séance du conseil, il y avait un point où on mentionnait une dépense de 380 000 $ pour des travaux de ventilation supplémentaires. Donc, on comprend qu'il parle du nouveau colisée. Est-ce que ce montant est dans le contrat de 60 millions ou c'est une dépense excédentaire? Si oui, est-ce la dernière dépense excédentaire? Bien, ce n'est pas une dépense excédentaire. C'est une dépense qui fait partie là, de l'enveloppe de 60,6 millions. Ça concerne l'aménagement des concessions qui avait été… je vais reprendre les mots de Justin Lachance là, qui parlait de lousse, mais on peut parler aussi de marge de manœuvre qui nous ont permis là, de justement de pouvoir, là, en arrivant au moment présent, bien définir les besoins par les gens qui vont occuper ces concessions-là. Parfait. Donc, prochaine question. En fait, c'est un commentaire qui provient de Denis Trépanier. Bonjour, salutations à tout le conseil municipal. Premièrement, je voudrais remercier la firme Marcouillet d'avoir desservi la population de Trois-Rivières pendant 40 ans à son kiosque du centre-ville. Des légumes frais de juin à octobre, et ce, 7 jours par semaine. Peut-on penser un jour que la ville de Trois-Rivières puisse se doter d'un véritable marché public? Le marché du musée Pop est ouvert une fois par semaine de 14h à 18h et l'ouvrage sera un centre d'innovation alimentaire. Pourquoi ne pas utiliser l'espace au coin de Badeau et Saint-Georges de juin à octobre? En faire un bel emplacement vivant devant le stationnement municipal et du centre de congrès. Difficile de concevoir qu'une ville de 140 000 habitants n'a toujours pas de marché public. Merci. Bien, M. Trépanier, premièrement, vous m'avez appris que Mme Marcouillet, plutôt, n'aurait plus son espace là, dans la cour du ceci. C'est à regret parce que, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, ça date du marché aux denrées, là, les tomates de Saint-Thomas qu'on allait chercher là. C'est la fin d'une époque. Maintenant,
lorsqu'on a reçu la question, bien moi, je trouve que votre suggestion est fort intéressante, puis je vais voir comment on peut l'amener, parce qu'effectivement, coin Saint-Georges et Badeau, je fais de la dyslexie ce soir, je m'excuse, là, mais coin Saint-Georges et Badeau, il y a vraiment quelque chose de... En tout cas, moi, peut-être que ça vaudrait la peine au moins qu'on s'y penche. Là, ça, on est chez Denis ou chez Danny? Là-dessus, on est chez Danny, hein? C'est dans mon district, effectivement. C'est un bon point à apporter au conseil d'administration que je siège avec mon collègue Denis Roy à Trois-Rivières-Centre, qui sont aussi des mobilisateurs pour le centre-ville. C'est un endroit qui a été déjà rêvé, si on veut, mais qui pourrait certainement être réfléchi. Puis l'idée d'un marché public, hein, pourvu que ce soit viable pour tout le monde, ça pourrait être intéressant. Je sais que probablement je t'invite. C'est un terrain, c'est l'ancien garage qu'on s'apprête à décontaminer. Puis là-dessus, ben, on n'est pas en train de se mettre de la pression. On fait juste penser à voir. En fait, ce qui serait intéressant, puis là, on réfléchit tout haut, c'est qu'on sait que les premières actions qui vont être faites sur ce terrain-là vont probablement être de nature transitoire. Donc, on va essayer des choses. Fait que la population se manifestait dans le sens d'un projet de cette nature-là, ça pourrait être considéré. Oui. Tout ce temps-là, là, ben, allez-y, M. Bellet. Et il ne faut pas oublier les périphéries. Puis il y a toujours le projet là, qu'on travaille avec les gens de Yamachiche pour essayer un marché public à Pointe-du-Lac. Oui. Puis il y a la ferme Gagnon qui fait très bien le travail, entre autres. Et il y a d'autres endroits, puis il y a les jeudis au Musée Pop, évidemment, qu'il ne faudrait pas lâcher pour autant. On vous écoute, Mme Simard. Donc, la prochaine question provient des citoyens affectés par la fermeture du chemin des Pins. Donc, M. Joël Lapierre, Paul Gordon, Denis Dufresne, Bruno Marchand, André Minot, Yves Martel, Guy Chevalier. Ils souhaitent en fait savoir s'il y a des développements dans le dossier de la réouverture du chemin des Pins. Bien, on devrait, en accord là, avec le conseiller Cormier, on devrait recevoir sous peu là, les résultats de la deuxième étude qui a été commandée, donc la révision à partir de nouvelles normes. Puis là, je veux le dire là, quand même, dès que ça va, dès qu'on aura les résultats puis qu'on sera en mesure de les présenter, on va aller le faire avec les citoyens du coin, ça c'est assuré. C'est bien. Alors, prochaine question de Christiane Bernier concernant le point 11 à l'ordre du jour. Donc, c'était le règlement autorisant l'agrandissement de l'aéroport. Il me semble qu'il y a un message qui ne passe pas. C'est le fait qu'il faut réduire notre production de GES et ça ne passe certainement pas par une augmentation du transport par avion. Est-ce qu'il y aura ouverture de registre sur ce sujet? Bien, je vais prendre la première partie de la question, puis je laisserai le soin à notre greffière d'en assurer la partie registre. Là, il faut préciser, c'est l'aérogare sur lequel on intervient. L'aérogare a un indice de vétusté de 47,5. Donc, ça fait de cet édifice l'édifice dont l'indice est le plus élevé à Trois-Rivières, plus que le pavillon bovin, plus que toutes les bâtisses que vous connaissez. Donc, on se devait d'intervenir, peu importe les considérations. Maintenant, est-ce que le transport aérien est un important émetteur de gaz à effet de serre? Absolument. C'est bien vrai. Et ça fait partie aussi, lorsqu'on a travaillé pour avoir l'obtention là, de l'authentification Airport quelque chose, là. Airport Carbon Accreditation. Lorsqu'on est allé chercher ça, c'était un peu dans cette volonté-là de suivre une lignée qui est celle de l'industrie de l'aviation et de l'aéronautique qui veut aller vers une réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment de s'inscrire dans ce mouvement-là. Je ne pense pas que l'intervention qu'on fait à l'aéroport va faire en sorte que, à l'échelle mondiale, il va y avoir plus d'émissions de gaz à effet de serre d'une façon marquée. Mais si, par contre, on est capable, par la recherche et développement, par l'innovation, par la créativité, de faire en sorte qu'il y en ait moins, bien, c'est un peu là-dedans qu'on s'inscrit. Donc, Maître Tremblay, vous voulez répondre. Okay, oui, il reste maintenant la partie registre. Oui, alors pour le registre, alors il s'agit de travaux qui concernent un bâtiment. Fait que c'est certain qu'habituellement, on va aux personnes habiles à voter. Toutefois, s'il y avait des subventions et que ça dépassait le 50% et plus du montant du règlement d'emprunt, on n'a pas, d'obligation à consulter les personnes habiles à voter.
Toutefois, le ministre pourrait nous obliger à quand même demander l'approbation. Alors, c'est ça. Oui, je me permettrais, parce que je ne les avais pas dans mon champ de vision, là, mais Claude, Marianne, puis tous ceux qui ont travaillé aussi, Pierre-Luc, qui était un petit peu au fond éclair, savent que aussi ça sera pas simple, hein, Claude, ça sera pas facile, mais il y aura un intérêt là de travailler sur des crédits carbone. Puis moi, je pense que via le fonds éclair, c'est le genre de choses sur lesquelles on pourrait aussi intervenir. Donc ça vient s'inscrire dans un paquet de mesures qui fait en sorte qu'on fait la démonstration qu'on est conscient là. Mais Monsieur le Maire, juste pour préciser, la réponse de Maître Tremblay, il n'y aura pas d'ouverture de registre, là, juste pour être sûr de comprendre. Si le montant de subvention est de 50 % et plus. Et c'est le cas. Si c'est le cas, il n'y a pas de Ben c'est ce que le montage financier prévoit. C'est ça, mais même Maître Tremblay, c'est quoi la différence avec l'amphithéâtre où est-ce qu'il y avait eu un registre? On était juste avant l'approbation de la loi 122. Ah, ça a été inclus dans le projet de loi 122 qui était aux alentours de 2017 et on avait fait notre registre écolisé quelques mois avant. Mais là, ici, s'il y avait des subventions qui n'étaient pas dans le degré ou encore que le ministre le demandait, ça serait à l'ensemble de la ville, un peu comme dans le temps de l'amphithéâtre. Ce ne serait pas juste les 3-4 résidents alentour. Non, ça c'est à l'ensemble de la ville. OK. Donc, j'ai une seconde question concernant le même point de M. Jacques Rousseau. L'objet du règlement autorisant l'agrandissement et la rénovation de l'aéroport et décrétant un emprunt à cette fin est d'autoriser et de financer les travaux mentionnés. Quelles études ont été menées pour déterminer s'il en résultera une augmentation des émissions de gaz à effet de serre? Ces études sont-elles publiques? Il y a eu, la première des étapes de ce que je vous parlais, puis j'espère ne pas avoir le répété, mais le programme d'accréditation là, en carbone, l'aéroport de Trois-Rivières, la première des étapes franchie par l'aéroport de Trois-Rivières, c'est celle du mapping ou de la cartographie de l'ensemble là, de l'émission là, faite à cet endroit-là de gaz à effet de serre. Maintenant, est-ce que cette demande-là est publique? J'ai malheureusement pas l'information, là, mais peut-être que par loi d'accès à l'information, on peut voir si c'est faisable. Mais est-ce que c'est un peu ce que je devrais répondre, Maître Tremblay, parce que pour la partie publique, là, moi, c'est vers ça que je serais porté à conseiller le demandeur. Je m'excuse, Monsieur le maire, mais j'ai pas... Non, puis même encore là, c'est une étude qui était demandée par idée. Fait que, écoutez, faudrait préciser, là. Donc, je termine avec la dernière question de la soirée. De M. Jacques Rousseau, toujours, concernant les points 93 et 94. Ces points servent à établir un programme de subvention visant à diminuer les émissions collectives de gaz à effet de serre afin de donner les moyens à la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable de supporter les entreprises se qualifiant dans le programme de réduction et captation des gaz à effet de serre pour qu'elles réalisent une étude préliminaire dite d'empreinte carbone. Pourquoi la Ville établit-elle un tel programme de subvention alors qu'elle n'a pas encore adopté sa politique environnementale? N'est-ce pas mettre la charrue avant les bœufs? Bien, je vais lire une réponse qui nous a été fournie par nos gens, mais juste avant, c'est pour vous dire qu'au prochain conseil, si tout va bien, on devrait là, adopter la politique, n'est-ce pas? Bien, non seulement ça, mais on a quand même aussi la politique c'est de développement ça. Durable qui est adoptée depuis longtemps. Là. Voilà. Puis je pense qu'il y a une certaine urgence d'action aussi dans ce domaine-là. Je peux juste c'est le mentionner au Donc, puis là, maintenant, je vais vous lire que le programme de réduction et de captation des GES fait partie de la structure d'éclore fonds environnement. C'est donc un outil qui permettra à la communauté de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre tout en facilitant des retombées locales. C'est un programme qui a déjà été adopté par le Conseil lors du lancement d'Éclore. Et comme les autres programmes, il doit être réadopté, donc adopté une autre fois, puisqu'il a été modifié pour le rendre plus fonctionnel. Il n'y a aucun gain à attendre l'adoption de la politique environnementale pour se mettre en action. Et l'adoption du programme ce soir permettra de terminer les différentes étapes d'approbation afin de mettre en place une cohorte de projets dès cette année. C'est là que ça finit. Côté, oui. Ben, écoutez, un gros merci tout le monde pour ce renouvellement de rencontre en présence. Merci à vous de vous être déplacés. Merci à vous qui nous regardez via le web ou la télé. Merci les conseillères, merci les conseillers. Merci beaucoup à toute l'équipe
qui nous appuie là, dans le déploiement de ça. Et avant de terminer, je vous dis, n'oubliez pas de souhaiter bonne fête à Alexandre, qui fêtera sous peu son anniversaire et qui est venu nous voir pour nous le dire. Donc, bonne soirée à tous et on se revoit dans deux semaines. Bonne fête, M. Alexandre. Bravo tout le monde. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. Ah, mais c'est bon à savoir. OK.